battle! Salut à tous, c'est Crazy, nous voici de retour sur Attila Total War pour la suite de nos aventures sur la campagne Le Dernier Romain. Nous sommes donc ici en Afrique du Nord et nous sommes en train de tenter de reconquérir justement ce territoire pour l'Empire Romain, pour les aider dans leur guerre face aux Ostrogoths qu'on ira combattre une fois qu'on aura terminé justement de récupérer tout ça. Donc pour l'instant on fait face aux morts également qui sont très très nombreux et relativement dangereux quand même. Il leur reste pas mal d'armées par-ci par-là. Les Vandales sont largement affaiblis, donc on va tenter aujourd'hui aussi de mettre fin à leur existence. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment gagné. Alors je pense que je vais ramener Bélisaire par là. Ils ont quoi ici là? Ils ont pas grand-chose. On avait récupéré Boularega il y a quelques... Enfin, dans le dernier tour. Boularegia, pardon. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. Et on va tenter de remporter quelques victoires face aux morts notamment, qu'on aimerait bien décimer une bonne fois pour toutes. Mais ils sont coriaces quand même les petits. Me dis pas qu'il est reparti faire le siège de Boularegia là. Ça aurait tendance à m'énerver. Sinon on fera demi-tour et on ira combattre leur armée justement. Pour leur rappeler que c'est nous les patrons dans cette zone. Ah ouais, ils viennent nous attaquer en masse là, ça c'est pas cool. Ouais, non, chaud quand même là, chaud. On va battre en retraite, j'espère qu'ils vont pas pouvoir nous suivre. Non, c'est bon. On va pouvoir se barrer. Harceler l'ennemi, ils ont réussi. Ok, génial. Ah, et du coup, je peux pas bouger. Je peux pas bouger plus que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller se les faire. Alors, soit je reviens face aux Vandales, soit face aux... Je pense qu'on va plutôt revenir face aux morts. Hein. En l'occurrence, ils ont plus besoin de moi par là. Alors c'est dommage parce que cette armée-là, je peux pas la bouger du coup. Ça c'est galère. Bon, je pense que j'aurai assez de tout ça là pour leur faire face. On va également amener eux, même s'ils vont pas servir à grand chose. Ah zut, quelle andouille! Je m'étais pas mis assez près. C'est bon, on peut encore aller les attaquer. Voilà, c'est un peu mieux. Et on va même faire une attaque de nuit. Histoire de latter que cette armée-là, justement, et d'empêcher les autres d'arriver. Comme eux, ils sont vachement affaiblis, là. Ça va nous permettre de gagner. C'est parti, une bataille de nuit. Il y avait pas d'étoiles à l'époque, hein, manifestement. Manifestement, à l'époque, il n'y avait pas d'étoiles. Alors, en plus, on a les balistes. On va pouvoir les arroser bien comme il faut. Et ça me plaît bien.
Et voilà le travail. Donc pour éclairer tout ça, on va tirer à coups de boulet enflammé, bien sûr. C'est pas sûr qu'ils avancent hein, là pour le coup. C'est pas grave, on va le faire à leur place. Ah si, ils arrivent quand même. Ils sont courageux. Les onagres, ils sont assez rapides. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Dans ce type de déplacement, là, justement. Souvent, les armes de siège, c'est un peu galère à déplacer. Ah, c'est bon, il rentre dans la ligne. C'est joli. Nous permettre de faire un peu de dégâts. On a déjà des unités qui partent en déroute là. C'est tout à fait ce qu'on voulait faire. Sauvez vos peaux les amis, ça sert à rien de vous battre là. Pareil, les archers, on va les mettre en flèche enflammée. Ça marche bien contre la cavalerie, justement. Allez, c'est parti. On continue à tirer dans le tas là-bas. J'aime pas cette cavalerie là. Elle est relativement trop puissante. C'est bon, on a réussi à se les faire eux. Alors eux, ils vont nous courser jusqu'au bout de la carte là, ça c'est pénible. Allez, c'est parti. C'est bon, là, on les a mis en déroute. Ah ouais, ils vont réussir à me décimer, là. Ça, c'était pas une bonne idée de les poursuivre comme ça. Alors, les onagres, on va leur dire d'arrêter de tirer pour l'instant. C'est parti. Ouais, vous inquiétez pas, ils vont. Ça va se faire. Ouais, celle-là, vous voyez, elle est complètement décimée, cette unité-là. Et je pense qu'on va perdre l'autre également. Le temps d'arriver là-bas, ça va être trop tard. Hein. Malheureusement. Alors, ils vont peut-être partir en déroute en voyant. Leurs unités fuir. À la limite, on va les mettre en mode défensif pour l'instant. Là-bas. Et voilà le travail. Allez, c'est parti pour la poursuite. Ah si, ils sont partis en déroute là-bas. Et par contre, pour être sûr... soit bien achevé cette fois-ci, on va les poursuivre hein, donc pour en massacrer un maximum. Allez, on continue. Pareil ici.
pareil ici. Là-bas, je suis pas sûr qu'on puisse les choper. Ah ça, les archers tirailleurs, enfin les cavaliers tirailleurs, pardon, c'est toujours très compliqué à gérer. Parce que vous voyez là, j'ai une unité qui est partie à l'autre bout de la carte, donc c'est un peu de ma faute parce que je les ai laissés partir, mais le fait de les ramener, ça les aurait pas forcément sauvés non plus. Et bon, c'est pas grave, le mal est fait. Et je pense que ouais, là, je pense que cette unité-là a été décimée. Et je pense pas que leur armée à eux ont été décimées par contre. Il leur reste 100 hommes. On va voir. Non, malheureusement, ils vont fuir. On va engager les guerriers supplémentaires. Et on va pouvoir... Alors je sais pas si je vais contre eux là. Je pourrais. Je pourrais. Parce qu'ils seraient renforcés par eux en plus. Comment on est là? Ouais, l'attaque de nuit me sortirait pas forcément de l'affaire. Ouais, je pense qu'on peut la gagner celle-là. Je pense qu'on peut la gagner. Ça nous permettra de bien les affaiblir une bonne fois pour toutes là. C'est mort. Faut juste qu'on fasse attention à leur cavalerie cette fois-ci par contre. Hein. Temps sec, on commence le déploiement, c'est parti. On va se mettre un peu plus haut par là je pense. Voilà, on va juste se mettre comme ça pour l'instant. On modifiera notre position après, c'est-à-dire tout de suite. Donc nos renforts en plus ils arrivent juste là, c'est parfait. Leurs renforts à eux, je sais pas où ils vont arriver. Là-bas. On verra s'ils sont courageux. S'ils viennent directement sur nous. Et là c'est cool, on a beaucoup de monde. Donc notre général, on va l'amener là. Je vais juste récupérer l'infanterie ici. Et là on a plein de cavalerie, c'est cool. Alors ils sont où là? Ils sont presque à portée. Ouais, ils sont presque à portée. On va céder un peu d'ailleurs à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Thank you.
Allez les gars, vous êtes à portée là. On va pouvoir tirer. Faire un maximum de dégâts dès le départ. Tac. Pas mal ce petit déploiement là. Déjà on va faire pas mal de dégâts je pense avec les onagres là. Ouais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Attention là. Attention là. Alors c'est dommage, j'aurais dû prendre plus de cavalerie. Parce que du coup ils vont nous harceler là sur le bord là. On va se mettre en protection. Dedans là j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils nous rentrent dedans. Ouais ils nous rentrent dedans. Alors du coup mes archers ils sont exposés là. Pas cool. Ouais ça va, ça devrait le faire je pense. On va essayer de les encercler un maximum. Et se débarrasser rapidement de leurs tirailleurs aussi. Ouais ils partent déjà à moitié en déroute là. Tellement qu'ils sont affaiblis. Ici aussi. Là on galère un peu par contre. Allez, on active. Là, ça va être bon. Alors, on va vite utiliser la cavalerie de ce côté-là, là. Super. C'est-il pas une bonne nouvelle, ça? Ma cavalerie est rentrée au contact avec... avec leur général, là, d'ailleurs. On va peut-être pas trop les laisser là longtemps. Là, ils vont galérer un peu, je pense, tout seul, là. La poisse, c'est ici, là. Ça n'a pas été. Ça, il me reste des unités. On va plutôt les utiliser ici, je pense. Ah, c'est bon, on est en train de les massacrer, là. Pour une fois. Mes onagres, on va leur dire d'arrêter de tirer. Parce que là, c'est un peu trop. On n'est pas bon là, on n'est pas bon. Il me reste des troupes. Ils ont des renforts qui arrivent davantage là-bas. Ici, ils attaquent personne là. Allez, on va aider un peu par là. Ils ont encore des tirailleurs qui arrivent. Ici, comme on est... Ça a l'air de le faire. Ça, on va ramener par là. La cavalerie, ici, elle va pouvoir aller foncer dans le tas là-bas, je pense. Ouais, nickel.
Là, le général, on va le laisser se faire détruire. Ah bon, où ça? Alors, les onagres ici, on va les remettre en marche. Quoique... Il y en a qui partent à perpète, là. C'est le festival de la déroute pour notre ennemi. Ouais, ça part bien bien en déroute là, comme il faut. C'est parfait. Ouais, on va les mettre en mode escarmouche. Alors mon armée, elle est un peu divisée dans tous les sens là. Ah, ils ont encore du monde hein, quand même à arriver là. Attention ici. Mince, ils vont réussir à nous choper par là-bas, là. Ici, on a du monde. Allez. Les archers. Ce serait pas mal qu'on les ramène par là. Ici, ça va le faire. J'ai une unité de cavalerie toute seule, là. On va la ramener plutôt par là-bas. C'est dommage parce que pour l'instant on n'a pas le temps de les poursuivre là. C'est un peu dommage. Ouais, ici on est encore en train de se faire courser là. On va plutôt se mettre en mode défensif le temps qu'on ramène de la cavalerie. Ah, c'est bon, ils partent en déroute, tout le monde part en déroute. Parfait, donc là c'est le moment comme d'habitude d'en anéantir un maximum. Alors, où est-ce que c'est le plus juteux là? Ah, par ici, encore pas mal de troupes. Là-bas, ils sont nombreux aussi. Ah, ici, là, il y a plein de monde. Ouais, on va demander à eux d'arrêter de tirer, là. Ça sert plus trop à grand-chose. Là, il me reste un peu de cavalerie aussi. On va la mettre à profit. Même si on n'arrive pas à rattraper tout le monde, c'est pas grave. Ouais, ils vont avoir le temps de traverser. C'est ballot. Ah, le gros morceau était plutôt par là. Hein. D'ailleurs, il y en a ici, là. Allez. Six. 118, là, par contre. Hein. Je sais pas s'ils vont avoir le temps d'y aller. Non, je pense pas qu'ils auront le temps. Ah, quoique. Non, non, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. J'aurais dû les voir avant. C'est dommage. Faudrait que la carte soit tout petit peu plus grande, du coup. Ouais, non, ils sont partis. Pas de chance. Bon, pas mal quand même. On a fait pas mal de dégâts, on a perdu pas mal de troupes quand même aussi, hein, 1300 en l'occurrence, eux 4100. Donc quasiment l'intégralité, à 500 troupes près. Donc là ils sont pas mal amochés là quand même. Hein. On n'a pas réussi à les détruire totalement.
Ah, j'ai perdu une unité de cavalerie. On va recruter des soldats pour remplir un peu nos troupes. Ennemi tué au combat, parfait. On a tué deux généraux ennemis en l'occurrence. Donc ici il leur reste ça et ça, ok. On va faire une petite résolution automatique pour ça. Parfait. Deux armées annihilées de ce côté là. Parfait. Pareil ici, hop, on va terminer d'abattre les survivants. Eh bien, ça me semble pas mal, les amis. Ça me semble pas mal, on s'est bien débrouillé. Donc lui, il a progressé, il a passé un niveau. Chance de détection en campagne, plus 10. Coup de recrutement, moins 5 pour les unités d'infanterie en mêlée. Allez, je prends. Je prends et il y avait effectivement en plus des points. Capacité de recrutement dans l'armée plus 2, défense en mêlée plus 6, ok. Et là, allez, on va prendre ça, c'est parfait. Toutes mes armées ont progressé d'ailleurs, hein, pour info. Bélisère, mon ami Bélisère, on va faire pareil. Toi également. De l'entourage, moins 10 de perte due à l'usure de la neige, 5% pour l'unité du commandant, d'accord. Ouh, pas mal ça. Chance de détection en campagne, plus 10. Oui, dans celui que j'ai pris, c'est celui-ci, autant pour moi, je vous ai pas dit. Zut, il y est plus. Voilà, expérience de l'unité, plus 3 pour les recrues de l'unité d'infanterie d'armée, de l'armée commandée, donc ça c'est bien. Donc on va mettre tout ce petit beau monde en mode campement, histoire de générer des revenus, bien entendu. Et lui aussi, il a progressé de niveau. Dominos d'Osroen. Armure plus 5, parfait. Ici, zèle plus 2, intégrité plus 5 en territoire étranger. Et voilà le travail. Et lui aussi, tout le monde progresse de niveau. Taux de recherche plus 10 dans toute la faction. Ah, il est pas terrible lui par contre. On va partir dans l'intégrité là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, pour annuler son malus. Bon, et eh bien c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait pas mal que je puisse revenir aussi sur l'armée vandale là. On va passer le tour, on va voir ce que la suite nous promet. Il vient encore nous pirater là, avec son agent. Donc les Vandales n'ont pas réattaqué, c'est parfait. Ils sont en train de repartir vers l'ouest. Bon, les morts, ils ont pris une sacrée claque là quand même. Alors je sais pas trop s'il leur reste beaucoup d'armée. Tiens, ils me demandent la paix d'ailleurs. On va refuser. Mon but étant de les exterminer. Tiens, ils viennent m'attaquer eux. On va partir. Pas trop prendre de risques. Tiens, j'ai plus de nourriture moi. Comment ça se fait ça? Nous consommons plus de nourriture que nous pouvons en produire. Effectivement, c'est un problème. Ouais, en fait, je voulais plutôt que tu passes sur cette route-là. Pour la simple et bonne raison que... Sinon, je ne peux pas voir ce qui se passe... sur les côtes. Alors, il a décidé de partir sur la route, là, ok. Alors comment c'est que d'un coup je suis à court de bouffe là.
On va construire une ferme du coup. Enfin, une réserve de nourriture plutôt. Pareil ici. Et donc on va se laisser là pour aujourd'hui les amis. Donc eux ils sont postés là. Qu'est-ce qu'ils font? On sait pas trop. Ils veulent pas attaquer Bularegia manifestement. Donc je pense qu'on ira... Attends, ils ont une sacrée armée les rebelles là. Ils commencent à être balèzes d'ailleurs les rebelles. On ira les attaquer. Puis peut-être qu'on ira directement faire le siège d'Adrumentum. J'aurais quand même de me débarrasser de cette armée de Vandales là. Qui est à l'ouest. Près de Bularegia. Parce qu'il y a toujours un risque potentiel justement qu'il la recapture. Hein. Donc on se laisse là pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi les amis, j'espère que la série vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Quant à nous, donc on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures, et d'ici là, portez-vous bien, salut à tous !